C'est donc vrai. Des griffes de gel du fût du tonnerre. Leur attaque a interrompu l'épreuve. Naturellement, il faudra la refaire. Ça ne compte pas. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle a vaincu les machines. Pas moi. C'est la preuve. C'est une meilleure chasseuse. Nous sommes Banouk. Survivre, vaincre. C'est tout ce qui compte. Ton sang est sur ton arme. Je prends place derrière toi pour la chasse. Aucun chasseur ne fera plus l'ascension au fût du tonnerre. La voie est fermée à tous, sauf aux chefs de clan. Et à moi. Je n'en ai aucun droit, mais je te demande une faveur. Vous accompagnez toi et ma sœur. C'est envisageable. Si seulement tu fais ce que je dis. Non. Seulement si tu fais ce que je te dis. Le fût du tonnerre attend. Il y a un camp à son pied, l'Entaille, c'est son nom. Rejoins-nous là-bas quand tu voudras. Chef Aloy. C'est parti les amis, on doit atteindre la porte du creuset. Donc on va atteindre la porte du creuset. Ah, on a des petits messages comme ça aussi. Le retour de Kini. Ok. Ah oui. La voix deviendra claire. Oh purée. Ok.
Si la chef avance d'un pas mesuré, nous en ferons autant. Nous pourrons monter. Dès que tu en auras fini, alors. Ok, bon. Ben déjà, on va faire un truc. Voilà. Oui, par ici. Oh, c'est par là. Ce n'est plus très loin. Ok. La dernière fois qu'on est venu, on est passé de ce côté. Mais les machines nous ont vaincus. On s'est replié en perdant du matériel et des hommes. Nous allons devoir vaincre avec seulement deux guerriers. Et un chaman à protéger. Aloy n'est pas une guerrière ordinaire. Et je peux me défendre. Mais bon. On pourrait passer par là plutôt. Il y a des machines là-haut, mais aussi des abris. On pourrait rester caché, au moins au début. D'accord, je vois nos options. Maintenant, suivez-moi. Les tuyaux. Vapeur, du gel. À quoi ça sert? On va suivre le chemin safe, les gars. On va essayer. En plus, les mobs qui sont là-haut, ils sont pas très très... Je suis passé par ici il y a des années, en quête d'un abri pour échapper aux machines. L'endroit est sûrement gardé maintenant, mais nous devrions pouvoir passer inaperçu. On va passer safe. Je sais pas si je les one shot ceux-là. Du coup, ça me pose problème.
froid me brûle comme le soleil. Discrètement. Le tuyau était rempli de givre lymphe. Mais pourquoi ? Oh là là, il a fallu me repérer celui-là. Attention aux mines, s'il y a des traqueurs. Oh oui, je peux monter par là. Ah ouais, mais... Ah bah oui, ça aurait été trop simple sinon. Va-t'en. Ils m'ont vu, ça y est. Ok. Le problème, c'est que je sais pas où je dois y aller en fait. Normalement, il y a un truc. Je sais pas où. Fuis, bats-toi.
je vais pouvoir le trouver. Mais dites pas que c'est là-bas quand même. Bon. On a déclenché une ligne. Aux armes. Je sais pas si c'est par là ou pas en fait. Ok. C'est là-bas. Je peux éviter ou pas? J'ai l'impression que non. C'est comme s'il me disait la fight est inévitable quoi. Bon. J'aurais dû prendre un chariot. Ok.
projecteur. Il permet peut-être de voir des hologrammes sans focus. Essayons de l'allumer. Aratak, Ourea, vous risquez de voir des formes faites de lumière. Ne paniquez pas. Il en faudra plus que ça pour me faire peur. Retour holographique. Ok, let's go voir. Merci d'être venu, tout le monde. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de prendre un pot dans un volcan en activité. Sauf pour Georges. Mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir de boire pendant le boulot. Nous n'aurions rien pu faire sans notre bien-aimé directeur. Kenichi. Donc, à votre santé, Kenny. Vous avez bouché la caldeira de Yellowstone. Vous avez bien mérité une margarita. Attendez, avant de troquer, j'ai une chose à ajouter. Ce projet n'aurait pas été possible sans notre programmatrice. Merci, Anita, d'avoir créé le vrai cerveau de l'équipe. Sion. Je suis d'accord, directeur Shaw. Alors, Sion, quel est le dernier chiffre? Nous en sommes actuellement à 1654. Waouh, ça se fait, cher collègue. Trinquons à 1654 années de plus sans une seule éruption. C'était l'esprit, avec les anciens. Je n'ai pas réussi à comprendre tout ce qu'elle a dit. Tu avais raison, Ourea. Cet endroit a été conçu pour empêcher un désastre. Et ça a marché. Quant à l'esprit, je commence à comprendre ce qu'elle est vraiment. La porte est ouverte. Nous pouvons passer. Hop, on va prendre. J'ai des comptes à régler. Je suis trempé de sueur. La centrale peut être suspendue, le système de refroidissement masqué, et tous les défis relevés. Alors pourquoi je stresse autant pour la suite ? J'ai qu'à installer le mystérieux logiciel d'Anita et discuter un peu. C'est même pas un être humain, pas vrai? Il faut continuer. Jusqu'à la montagne. Ok. Ça devient tendax. Je sais pas si je peux le pirater lui, mais j'aimerais bien le pirater. Okay.
Faudrait qu'on se fasse lui. Parce que lui, il va être bien chiant. Ça va être le plus chiant, lui. On n'aura pas le choix de l'affronter. Mais lui, je peux déjà le tuer en silence. Et après, faudra qu'on s'occupe de lui automatiquement. Purée. Il va être très 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 chiant à tuer, lui. Hein. Faiblesse. Le gel. Donc il faudra ça. Et voilà. Ouh, il était bien chiant.
Oh, elle était vraiment, vraiment très, très chiant. Oh, les pauvres. Bon, bah, on va pouvoir continuer, hein. Les machines, préparez-vous. Oh my god. Ah, one shot. D'accord. Ok. Some one shot. Pourquoi pas, après tout. Some one shot. Pourquoi pas. Des machines, préparez-vous. Très très mal. Bon, déjà on va préparer les bombes. Et on va faire ça, on va faire un chemin. Préparez-vous.
trouver les champs d'exploit. Mais j'avoue que ce combat mérite d'être chanté. Maintenant, Aloy, la porte. Tu peux l'ouvrir ? Oh my goodness, les gars. Ce qui se trouve derrière. Oh lolo. Eh, c'était chaud. Hein. C'était un combat assez chaud. Il faut le reconnaître. Oh my god. Alors là, j'ai tout mis dans ce combat. Hein. On y va. Ouais. Et on en finit. Ok les amis, et bah... Allez, on descend. Bon signe quand tu nous donnes des trucs comme ça là. Attends. Sur moi, mon frère. Nous ne resterons ici que le temps nécessaire. Pour l'instant, ce conduit nous barre la route. Restez ici pendant que je cherche un moyen de passer. Entendu. Alors. On ne peut pas fermer le conduit d'ici. Je vais devoir passer de l'autre côté. Je devrais pouvoir l'enlever avec une flèche. Comment vas-tu passer avec ce jet de flamme ?
focus verra peut-être ce que j'ai raté. Qu'est-ce que j'ai bien pu rater ? Mon focus peut-il voir quelque chose ici ? Régulation de la pression, ça monte, ça va jusque là. Ça, ok. Ok. Mon focus verra peut-être quelque chose.
L'appareil circulaire, à quoi il sert ? Il est sorti de nulle part celui-là en fait. Déployer le pont de l'autre côté. Allez, aidons-les à passer. Venez, c'est sans danger. L'endroit ressemble davantage à la montagne avant que le Daimon la saccage. C'est quoi ? Cet exploit réussi. Bloqueur contourné. À tous les auditeurs humains, mes systèmes ont été compromis par un malware Daimon d'origine inconnue. Les tracés confirment que cette entité a pour dénomination Héphaïstos. Il faut l'arrêter à tout prix. Il a reconfiguré ce complexe pour de dangers. Recapture imminente. J'ai joint des données supplémentaires à ce message. L'esprit s'adresse à nous. C'est un avertissement. Enregistré. Héphaïstos. Qu'est-ce que c'est que ce nom ? L'esprit nous le dira peut-être, si elle a laissé d'autres messages. C'est bien possible. Continuons. J'ai envisagé de la désactiver, mais je veux pas qu'elle soit désorientée ou endommagée au redémarrage. Comment dire à un être ayant les émotions d'un enfant qui... Enfin, elle va devoir plonger dans le coma pour des années. Et qu'est-ce qu'elle verra en se réveillant ? Bon.
des machines en construction. L'esprit l'avait dit. Des griffes de gel. Ça fait beaucoup. Je vais trouver un passage. De l'autre côté. Okay.